demander si inviter grand-mère à déjeuner ce dimanche est une bonne idée, la réponse est ⁇ Assurément oui, émoticône souriant, une récente étude scientifique a démontré qu'inviter régulièrement nos aînés à passer du temps avec nous allongeait leur espérance de vie. Mieux, cela améliore la qualité même de leur vie et aussi de la nôtre, en effet, des chercheurs de l'Université de San Francisco, en Californie, ont noté que la solitude joue un rôle majeur dans le déclin physique et mental des seniors. Explication ⁇ La solitude accroît la mortalité pour aboutir à ce résultat ⁇ leur étude a suivi au quotidien 1600 personnes âgées en moyenne de 71 ans. Ils ont ainsi constaté que, quels que soient les facteurs socio-économiques et l'état de santé des sujets, la solitude augmentait systématiquement le taux de mortalité. En effet, environ 23% des personnes participant à l'étude qui étaient seules sont décédées dans les six années qui ont suivi l'expérience. Au contraire, seulement 14% de celles entourées au quotidien par leur famille ou leurs amis ont disparu. Le besoin d'avoir des gens qui nous connaissent, qui nous valorisent, qui nous apportent du bonheur est présent tout au long de notre vie. Et ce besoin ne disparaît jamais, même avec l'âge, rappelle Martine Durand, spécialiste en gériatrie à l'hôpital de Lille. Les personnes âgées savent mieux entretenir les amitiés et, et les seniors accordent une très grande valeur aux relations d'amitié, plus que leurs enfants ou leurs petits-enfants. Toute leur vie, ils ont pu développer leur capacité à développer des relations humaines fortes, dénuées de superficialité, c'est la raison pour laquelle les personnes âgées ont de telles qualités pour entretenir une relation amicale de qualité. Les seniors sont des amis souvent très tolérants face aux imperfections et singularités des autres personnes. Ils le sont bien plus que les jeunes adultes, note Martine Durand, vous apportez beaucoup à une amitié quand vous êtes plus âgé et plus expérimenté. Vous savez ce pourquoi il importe de se battre et ce qui n'en vaut pas la peine, bénéfique pour eux mais aussi pour nous autres le fait d'inviter nos proches d'un certain âge chez nous, il est donc très important d'entretenir les amitiés avec elles, qu'il s'agisse de notre mère, de personnes de notre famille ou de notre entourage. On pense souvent que les personnes âgées s'épanouissent en étant indépendantes, mais vivre dans un environnement adapté conçu pour leur faciliter le quotidien comme celui-ci leur est bénéfique. Ces aménagements spécifiques sont autant de chances de bien se porter, de nouer des liens avec les autres et donc de s'épanouir. Encore mieux, non seulement passer du bon temps avec grand-mère et grand-père les aide à s'épanouir, mais c'est aussi bénéfique pour nous. Pourquoi une telle relation est-elle réciproquement positive tout simplement car nos aînés savent que la compagnie et les relations humaines sont cruciales pour leur bien-être quotidien. Et nous, nous pouvons profiter de leurs récits de vie, de leurs expériences, de leur tendresse et, le plus important, de cette fameuse recette secrète du gâteau de notre enfance. Emoticone souriant, à votre tour. Et vous, vous avez l'habitude de passer du temps avec votre grand-mère, partagez votre expérience avec nous en commentaire. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, les grands-parents qui font du babysitting ont moins de risques de développer Alzheimer. Les études montrent que les grands-mères qui gardent leurs petits-enfants ont une meilleure santé mentale.